Elle est toute souillée celle-là, mon vieux. Alors, tu pues le chien. Allez, va te sécher. Bonsoir tout le monde, installez-vous confortablement, mettez un petit pouce bleu, vous n'en saurez que mieux. Et re-bienvenue sur Stranded Deep avec Marie-Madeleine. On va peut-être allumer le feu à cette heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouh, puis on a soif. Attendez, bougez pas. Je vais construire un petit récupérateur d'eau vite fait là. Il y en a pour 2 secondes. On va faire ça. Il nous faut de la corde. Alors attendez, bougez pas. On va allumer le feu d'abord, tranquillement. Eh bah mon vieux, j'arrive pas à allumer le feu. Ça fait 3 heures que je suis en train de frictionner mon bout de bois. Que dalle. Je crois bien que... le bois il est trop mouillé. Eh bah c'est pas grave. On va prendre notre petite lampe de poche. Ça va être bien cool. Allez. Ça c'est du laser, du cuir, ok. Ah yes, il nous faut ça. Impeccable. Bon, en tout cas les gens, encore une fois, j'ai lu tous vos commentaires. Il y en a beaucoup qui m'ont laissé des défis. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont laissé des défis presque irréalisables, j'ai envie de dire. Enfin, des trucs de fou. Il y a quelqu'un qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas une villa avec 2 étages, avec une salle de bain pour Marie-Madeleine, une chambre pour Marie-Madeleine. Tu veux pas que j'y crafte un jacuzzi non plus? Est-ce qu'elle le mérite au moins? Est-ce que tu y as pensé à ça? Je suis pas sûr. On va mettre le récupérateur d'eau ici, ce sera parfait, nickel. Alors attends, où est-ce qu'on en est? Oula, bah oui, on a soif. Va falloir de l'eau là. Et puis bien entendu, on n'a pas de seau. Et bah c'est nickel. Attendez, bougez pas, on va aller boire un coup. Il nous faut de la coconut. Ah c'est dommage parce qu'à chaque fois que je commence comme ça, il fait toujours nuit. C'est vraiment un truc de fou. Et puis là si je dors, je crois bien qu'on va pas se réveiller. Vu qu'on a soif et tout, peut-être par ici. Yes, viens ici toi, on va faire la petite récolte tranquillement. Hop là, viens ici toi ma cocotte. Voilà, nickel. Yes, je prends. Hop, viens ici toi. Et encore une. Et bah écoutez, la récolte des coconuts est plutôt sympa. Regardez ça. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Et hop là. Impeccable. Allez, donne-moi tout ça. 1, 2, 3 et 4. Ok, je pense que c'est pas mal. Oh, regardez ça, cette pile que j'ai fait. Un truc de fou. Eh, hey, yes, c'est plutôt pas mal. Ça va, c'est correct. J'aime bien. Bon, et bien maintenant qu'on a bien bu, bien mangé, on va pouvoir aller dormir. On va bien manger, c'est un bien grand mot. Mais on va aller se coucher. Je vous retrouve demain matin. On vous retrouve demain matin avec Marie-Madeleine. Bonsoir. Ah, eh bien, quelle belle matinée. Ça, ça fait plaisir un petit temps comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit notre récupérateur d'eau? Eh bien, il a pas dit grand-chose. Et il nous faudrait bien un seau. Vous savez ce qu'on va faire? J'ai vu que autour de notre île, nous avons 2 épaves à fouiller. Minimum 2. En tout cas, c'est celle que j'ai vue. Après, il y en a peut-être d'autres. Bah mon vieux, je suis fou là. On va aller fouiller ça tranquillement. Qu'est-ce que ça dit au niveau... Yes, bah on a encore soif. Hein. Allez, vas-y, let's go. On va aller fouiller ça, les gens. Tranquillement, putain. Ouh, ça par contre, je vais ramener ça. Ouh, toi mon vieux. Oui. Je dégage. Putain, salopard, va. Saloperie. En plus, il y a moyen de se faire un radeau, regardez là. Je pense qu'il faut juste que je prenne le couteau. Allez, vas-y, j'y retourne. On va prendre ça. Yes. Voilà, on va casser les cordes. Normalement, ça devrait flotter si on fait ça. Yes, nickel. Impeccable. On va aller voir dans la cabine du capi-chef. Oh yes, Elise, je prends. Yes. Allez, vas-y, on remonte. Yes. Oh putain, ouais c'était chaud mon vieux. Oh oui, effectivement c'était chaud. On va prendre tout ça, moi je vous dis les gens, il y a peut-être moyen de faire un radeau avec tout ça. J'ai vu qu'il y avait une autre épave aussi. Alors attendez, j'ai bien tout fouillé là-dedans. Ça devrait être pas trop mal. Ah, l'armoire. Yes, de l'essence, je prends. Merde, putain, mais je suis déjà en train de me noyer. Mais c'est dingue ça. C'est dingue. Oh putain, c'est chaud. Attendez, il y a une autre épave. Putain, il y a le requin qui me fait chier là. À chaque fois quand j'entends la musique du requin, ça me stresse. Ici, il y a sûrement quelque chose à prendre. Il y a rien ou quoi? Attendez. Vas-y, remonte. Remonte, putain, tout à l'heure, on va se faire bouffer. Oh putain, il m'attaque! Salopard. Je me casse. Il me semblait qu'il y avait quelque chose ici. Putain, par contre, le truc, c'est qu'il respire pas longtemps, quoi. Le truc, c'est qu'il tient pas longtemps sa respiration. Ça, c'est un peu la panique, quoi. Oh putain, ceux-là, ils sont dangereux. Ceux-là, ils sont très dangereux. C'est des poissons lions. Vas-y, remonte. Oui, joli. Allez, vas-y, c'est parti. Putain, il m'attaque. On va essayer de faire ça vite fait. Yes, je prends. Oh putain, je remonte. J'ai déjà plus d'air.
J'ai déjà plus d'air, je remonte. Je remonte. Ouh. C'est bon. J'y retourne, cache. Je vais jusqu'au fond, il y a moyen. Yes. Je prends. Je me barre. Bon les gens, on va faire l'inventaire vite fait de tout ce qu'on a ramassé. J'étais tellement pressé, j'ai même pas vu ce que j'ai ramassé, mon vieux. Un truc de fou. Et bah, on a une petite bouteille d'oxygène et ça, c'est plutôt cool. Ça va nous servir. On a des vitamines. Parfait. La lumière, je l'avais déjà. On a deux réservoirs. On va les ranger. Putain, mon vieux, il va falloir que je range dans le coin. C'est un truc de fou. Ça commence à être le bordel. Un truc de malade. On a deux jerrycans d'essence. Ok, c'est parfait. On va les mettre là. On a de la nourriture. C'est parfait. On va les mettre à côté de l'essence. Eh, regardez ça. Ça, c'est la classe. On a une petite torche et tout. C'est nickel. Parfait. On a encore une hélice. On a un carburateur. Yes, on va le mettre là. Et puis c'est tout. Alors, t'as vu ça, ma vieille? T'as vu ce que j'ai ramené un petit peu? Hein? J'ai pas déconné là sur ce coup là. Oh là 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 là. Tout ce que j'ai ramené. C'est un truc de fou quoi. J'ai ramené trop de trucs. Regardez ça. C'est le bordel. Un truc de malade. Alors les gens, qu'est-ce qu'on va pouvoir crafter? Est-ce qu'on va pouvoir s'attaquer à la base? Je ne pense pas. On va plutôt s'attaquer peut-être à construire un radeau plus rapide que ce qu'on a déjà. Ce serait pas mal, je pense. Structure. À moins qu'on se fasse une petite structure autre. Des tonneaux, j'en ai pas. De la clé. Comment qu'on fait de la clé? Est-ce que ce serait pas... Attends, est-ce que ce serait pas avec le feu, par hasard? En mettant peut-être de la pierre sur le feu? Ou je sais pas. Je vais refoutre du bois peut-être dans le feu. Histoire de... Voilà. Un petit campfire. Voilà. Yes. Ah bah voilà. Impeccable. Yes. Est-ce qu'on pourrait pas prendre, par exemple, pour faire de la clé? C'est peut-être totalement con ce que je dis, mais c'est peut-être ça, je sais pas. 3 heures plus tard, je pense pas que ce soit ça. À mon avis, non. C'est peut-être avec ça. Écoutez, on va faire une pioche, déjà. Je pense qu'il y a moyen. Ah bah oui, attends, pour faire du laser, il nous faut du tanning rack. Le tanning rack. Il nous faut 4 sticks et 4 cordes. Ouais, je pense qu'on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Et 4 cordes, j'en ai déjà une. Voilà, il nous en reste 3 à faire. Et bah c'est parti, mon vieux. On va aller chasser de la fibre. Allez, en voilà une. Oh là là, regardez ça là. Putain mon vieux, je vous jure, on n'est pas arrivé avec la fibre là. Ça va être un truc de fou. Un petit là, regardez ça, ça se cache hein. Hop là, un petit là, yes, je prends. Un ici, c'est parfait. Ouh, t'es bien caché celui-là. Regardez ça, ça pousse comme du chien dent. Il y en a de partout là. Bon allez, go faire de la corde les gens. Ok, une, deux. Et pour l'instant, eh ben deux, ce sera parfait. Il nous en manque une. Ce truc de fou, il n'y a plus une seule fibre sur l'île. J'ai tout rasé mon vieux. Il n'y a même pas un petit yucca qui pousse dans le coin là. Non? Et regardez ça. Attendez, on peut faire des trucs avec ça là. On va prendre tout ça un petit peu. Vas-y, donne-moi tous mes machins. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Tac, fourniture, regardez. On va faire ça je pense. Voilà, hey, mais c'est excellent. Regardez ça, un banc. Arrête, jure, je peux pas le mettre. Faut une table à mon avis. Oh regardez ça, on va faire une table. Non, arrête. Oh, jure. Regarde ça, comment qu'on va être bien là. Hein? Hop là, crac. Allez. Une petite table là, un petit banc qui va avec. Est-ce que ça va à côté de la table ça? Non? Pas du tout? Bon c'est pas grave. Oh là là, on a fait une table, comment qu'on s'est mis trop bien là. Oh, c'est un truc de fou quoi. Est-ce qu'on pourrait peut-être bien faire un radeau avec ça aussi? Non? Attendez, je pense qu'il me faut de la corde. Il nous faut un marteau. On peut se faire un radeau comme ça. Il nous faut une corde et 5 machins comme ça. Ouh, regardez ça. Ouh là là, je sens qu'on va se mettre bien. Là, je sens qu'on va se mettre bien. Marteau, on peut en faire un. Yes, vas-y, on va faire ça. Yes, je l'ai. J'ai. Crac. Oh, arrête. Jure. Non. Oh, ce délire. Regardez ça. Oh là 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 là, comment que ça déchire. J'ai moyen de faire ça. Vas-y. Crac. Oh putain. Non? Ça va pas dessus? Pas du tout. Peut-être que j'aurais plus dû faire celui-là. Avec 14 sticks. Il faudrait que j'en fasse un deuxième, je pense. Propulsion. Regardez, on a quasiment tout. Putain, on peut quasiment faire un moteur. Il nous manque juste ça. Et on fait un moteur. Ça, c'est la classe. Putain, puis je l'ai pas. Ça, c'est bête. Bon, écoutez, les gens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir tranquillement. Et on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Ah, bah voilà. Quelle belle matinée qui s'annonce. Enfin, quoi que. Vite fait, quoi. Là, ce qui me manque, c'est un petit seau. Attendez. Déjà, on va mettre ça. Sur la plage, comme ça, voilà. Je vais ranger un petit peu là, parce que ça me plaît pas trop. Petite transition les gens, je viens de faire un grand ménage dans le camp.
J'ai tout réorganisé. Regardez comment que c'est beaucoup plus propre qu'avant. En fait, là, il y a mon petit radeau que je viens de crafter. Le récupérateur d'eau, le feu, bien entendu, Marie-Madeleine, mon campement, le bois, les pierres, enfin les pierres, la pierre. Ici, j'ai mis les troncs d'arbres, les tôles, les bâches. Là, j'ai mis tout ce qui était pour le moteur du bateau. Là, j'ai mis tout ce qui était mangé. Et là, j'ai mis un petit peu de bazar. Donc là, on commence à s'y retrouver. C'est beaucoup plus propre qu'avant. Et je pense qu'on va aller tester ce petit radeau. Ça m'a l'air bien sympa. On va partir je sais pas où. Oh, par contre, j'ai super soif. C'est un truc de fou. Et je me suis fait piquer. Je vais partir à la chasse à la coco vite fait. Comment que c'est la galère pour aller chercher les cocos dès le matin? C'est un truc de malade. Mais bon, c'est la survie qui veut ça. Faut bien. On est obligé de passer par là. Dans Stranded Deep, la coco, c'est la base. Il est 13h. Ça va, tranquille. Ça va être l'heure de l'apéro. On va se mettre bien. Voilà, impeccable. On va boire tout ça bien tranquillement. Voilà, impeccable. On en est où là? Ça va, on est remonté. On va les manger aussi. Normalement, j'en ai à manger juste ici. Voilà, c'est parfait. Oh putain. Oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Elle était pas bonne la coco? Ah non, c'est les boutons. Attendez, ça fait quoi si je prends les vitamines? Ah, je peux pas prendre les vitamines comme ça? What? Merde, c'est dommage ça. Voilà, ici c'est tous mes outils les gens. C'est parfait, c'est nickel. Et bah on part les mains vides. C'est parfait, on va partir à l'aventure. Hop là, viens ici toi vieille. Alors, où je te sens tracassé? Eh non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va mettre la lampe ici pour retrouver notre île de loin. Ça pourrait être sympa. Et bien écoutez les gens, c'est parti hein. On part à l'aventure, je sais pas où est-ce qu'on va. On va juste prendre sur nous de quoi crafter un camp, à moins qu'on puisse en crafter un là-bas. Il faut de la corde, ouais on en craftera un là-bas et puis c'est tout. Allez, on part, let's go. Attends, vas-y, saute. Bah, saute mon vieux. Pourquoi que... non? Comment ça? C'est quoi ce délire? Ah ouais, je peux pas, je pense qu'il nous en faut un deuxième comme ça les gens. À mon avis c'est ça. C'est pas grave, on va prendre le jaune. Allez, let's go. On part, je sais pas où les gens. On va peut-être partir sur celle en face là-bas. On va voir, c'est peut-être pas mal. La dernière fois, on était parti sur celle-là, là-bas. Celle-là, je la sens bien. Allez, let's go. On est parti pour un long voyage en espérant que la mer ne sera pas trop capricieuse. Je vous retrouve une fois qu'on est proche de l'île. Bon, le voyage s'est bien passé les gens. Toujours un peu long quand on est au milieu de la mer comme ça. Mais bon, ça se fait tranquillement. Ça s'est plutôt bien passé, le temps a été clément. Les mouettes chantonnent. Vas-y, chantonne tant que tu peux, t'inquiète pas. On va aller voir ce qui se passe ici. Alors j'ai vu qu'il y avait... j'ai vu qu'il y avait une épave de bateau. Où est-ce qu'elle est l'épave de bateau? Alors attendez, voilà. Notre île, faut surtout pas qu'on la perde. Elle est en face, hein. Impeccable, on va dire voilà, c'est celle qui est juste là-bas. Marie-Madeleine, je te laisse, tu gardes le radeau. Madame la capitaine, voilà, c'est toi qui tiens les voiles. Allez, c'est parti. Nous, on va faire un tour et on va direct aller voir... ouh, regardez ça. Hop, hop, dégage-toi. On va prendre ça, bien entendu. Il y en a encore là-bas. Ce que je vais faire avant qu'il fasse nuit, on va tout de suite se prendre de quoi crafter un camp. Ça va être court, ça va être très court. Il nous faut... ok, d'accord. Ça va être très très court, les gens. Il nous faut de la fibre. On va vite se dépêcher. Ça va être vraiment très très court. Il y a peut-être moyen si on se dépêche un peu. Du yucca, yes. Ça tombe super bien. Voilà, tac, tac, tac. Vite, 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 vite. De la corde. Yes, ok. Il nous faut, ah ouais, des feuilles de palmier. Vas-y, vas-y, go, go, go. On va vite couper celui-là. Le soleil commence à se coucher méchamment. C'est magnifique là. Il va bientôt faire complètement noir. Hop là, donne-moi ça. Je prends. Allez, vite. Yes. Je prends. Voilà, yes, impeccable. On va vite fait se faire un petit camp, tranquillement. Merde, il me faut des sticks. Ah bah attendez, je vais en prendre. Là, impeccable. Tac, ok, petit camp. Et c'est impeccable. Yes, comme ça on va pouvoir dormir. À demain matin, bonne nuit tout le monde. Ah bah quelle bonne matinée qui s'annonce. I need to find water. Bah ouais, tu m'étonnes, je veux bien te croire. Il est quelle heure? Il est 3h40, le temps est pluvieux. Bah écoutez, on va se faire une petite coconut, tranquille. Ça va commencer à être la merde là, hein, je vous le dis. Hein. Je vais essayer de trouver 2-3 noix de coco. Bon, on s'est mis pas trop mal avec les cocos les gens. Ça va le faire, si tu te casses pas non plus trop loin. Allez, on va boire tout ça, c'est parti. On va se faire un petit cocktail des familles, bien tranquillement. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Yes, on est remonté à fond. Et bah maintenant, on va tous les manger. Par contre, va falloir attendre que ça fasse jour, tranquillement. Il est 5h50. On va patienter. Yes! Eh bien, impeccable! Ça commence à faire jour tranquillement. Il est quelle heure? Il est 6h20. Eh ben, c'est impeccable. Hop, on va prendre ça.
Voilà. Yes. On n'a plus de boutons, on n'a plus rien. Et ben c'est impeccable. C'est parfait. On va prendre tout ça et on va faire le tour de l'île. On va peut-être aller voir ce qu'il y a dans le bateau déjà. On va encore ramener pas mal de trucs pour notre île. Et franchement, on se met super bien là. Là déjà, avec tout ce qu'on a ramené, on a quasiment de quoi faire le bateau à moteur. Il nous manque une pièce. Une pièce et on fait le bateau à moteur. Ouh, des tonneaux. Je vais sûrement les ramener. Il y a des chances. Attendez, regardez. J'ai vu un coffre là, quelque part par là. Yes. Il y a quoi là-dedans? Je prends, je prends, je prends. Y'a que ça? Oh putain, c'est pas vrai qu'il y a un requin quoi. Attends, je me casse. Je vais prendre ça les gens. Ah merde! Merde, merde, j'aurais plus de place. Bah attendez, au pire, le stick quoi. Ça, je vais faire de la corde. Et on va ramasser ça les gens. On va ramener des tonneaux. Ça, ça va servir. Ah merde, on peut pas les ramener comme ça? Ah merde! Ah c'est con ça. Ah c'est pas grave, je vais en ramener un à la nage ou je sais pas, mais obligé quoi, je le laisse pas. Attends, ouh, regardez ça. Regardez ce que j'ai trouvé. Il y a moyen d'aller là-dedans? Oui, je prends. Je prends. Une hache. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je prends. Merde, ah non, non, ça il me la faut. Ça il nous le faut. Attends, qu'est-ce qu'on peut jeter? On va jeter de la coconut, hein, il y en aura d'autres. Hein. Voilà, hein, au pire on les mangera. Bah c'est bon, on n'a pas faim. Voilà, je vais prendre plutôt ça. Et oh merde. Elise, c'est bon, ça c'est bon. Vas-y, au pire, voilà, pas besoin de ça. On a tout pris, c'est bon. Marie-Madeleine, on y va. Accroche-toi. Notre île, nous, elle est en face. Yes, c'est bon. Vas-y, attendez, je vais chercher le tonneau. Ça va être la galère pour le ramener, mais rien à foutre. Je vais le chercher. Putain, dégage-toi. Allez, vas-y, viens là. Attendez, bougez pas. Je le mets. Merde, je le mets dans mon radeau. Voilà. Putain, non, 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 non. Non. Oh, je coule avec le tonneau, quoi. Le bâtard. Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi pas qu'il a crevé mon radeau ou quoi. Putain, comment qu'il m'a attaqué, mon vieux. Ah, putain, je peux pas le ramener comme ça, quoi. Je vais pas pouvoir le ramener. Ça va être tendu. Ah, c'est pas la peine, les gens. C'est pas la peine, ça marche pas. Il va plutôt m'embêter qu'autre chose. On rentre à la base. Allez, on est arrivé, les gens. Impeccable. On va ranger le radeau sur la berge. Voilà, nickel. Parfait. On va faire un petit peu l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a récupéré encore? De la bâche. Je prends. Et qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fout le requin là? Il est encore dans le coin? Putain, il m'a suivi jusqu'ici quoi. C'est hargneux ces bestioles là, c'est un truc de fou. De la corde, yes. Ça c'est cool. J'ai récupéré pas mal de cordes. Ok. Du laser, j'en ai récupéré pas mal aussi. Et bah regardez, on va pouvoir se crafter ce qu'on n'arrivait pas à se crafter tout à l'heure. Putain, des haches, je commence à en avoir pas mal hein. Franchement, bien quoi. Je vais prendre celle-là, on va la mettre sur la table. Une pierre. Bah ma vieille, si t'arrives, tu fais la gueule. Tiens, va donc te reposer un peu. Tiens, Épinant, mets donc plutôt la table pour ce soir. Ça te ferait quelque chose à faire. Ça, on va mettre ça par là. Du tissu, ok. Il me semble que j'en avais un autre bout de tissu. Je sais plus où est-ce que je l'ai foutu. Ouh, c'est quoi ça? Ah, bah regardez, j'avais pas vu que j'avais laissé ça ici, moi. Les pièces de moteur, ici, ok. À manger, ici. Et le tissu, ici. Eh, regardez ça, j'ai une deuxième lampe, quoi. Excellent. En fait, j'en ai trois des lampes maintenant. Je vais les mettre un peu partout sur l'île, comme ça, ça me fera des points de repère. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut alors? Ah, c'est dommage, j'aurais bien ramené un tonneau pour crafter ça, mais c'était pas possible. Franchement, c'était la misère. Eh ben, on va crafter ça. Hein. Voilà, tranquillement. On va prendre 4 cordes. 1, 2, 3, 4. 4 sticks. Et on va faire ça. Allez, crac! Oh putain, comment qu'on s'est mis bien là? Oh, comment qu'on s'est mis bien là? Je vais le mettre juste à côté du récupérateur d'eau. Yes! Comment que ça marche maintenant ça? Sûrement pas comme ça. Non. Je sais pas du tout comment que ça marche par contre. Hein. J'en ai aucune idée. Alors aussi, je voudrais bien savoir comment qu'on fait de la clé dans Stranded Deep. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, j'en ai aucune idée. Également, comment que ça marche ce truc là, le tanning rack. Et il faudrait bien qu'on trouve un petit seau, un de ces quatre. Ce serait pas mal. Parce que là, on peut pas boire. C'est un peu couillon. Bon, sur ce, les gens, on va se laisser là. On a franchement bien avancé. Elle est plutôt cool, notre petite île. Moi, j'aime bien. Qu'est-ce t'en dis un petit peu? Alors, on est pas mal logé ici. Allez, va donc te reposer un petit peu. Tu l'as bien mérité. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Oubliez pas de me donner plein d'astuces dans les commentaires. Des astuces, des défis réalisables, s'il vous plaît. Un truc bien cool et réalisable. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye. Hein? Ah, bah, t'es parti à la sieste. Tu vois, bah, qu'on est bien ici. Allez.